Hey, salut à toi, si tu veux voir d'autres vidéos, ben n'hésite pas à liker et bien évidemment à t'abonner, n'hésite pas en tout cas à me le dire dans les commentaires bien évidemment et puis je te dis bonne vidéo. J'espère que vous allez tous bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 20 de la série, et oui, de Rise of the Tomb Raider, on est déjà plutôt à déjà 20 épisodes, ça commence à avancer. On est en train de refaire un début du tombeau, hein, facultatif bien évidemment, donc c'est pas obligatoire. Et j'avais envie de tenter un petit peu à la naissance de l'église orthodoxe. Donc voilà, donc je vais essayer de voir où est un petit peu la suite. Enfin, sachant que je vais pas savoir où est la suite parce que c'est moi qui dois avancer là vraiment tout seul. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Elle va essayer de découvrir à la fois belle, résistante et pratique. Elle faisait partie d'une uniforme militaire. Bon à savoir. Du coup. Ah ben en parlant de feu, voilà, on va quand même y aller pour cas où on sait jamais. Attendez, je peux pas du tout. Oui, c'est un nouveau camp que j'ai découvert. Il n'y a rien à améliorer de toute façon. Je vais quand même sauvegarder ici. Parce que en cas si j'ai une coupure de courant ou je ne sais quoi, je préfère sauvegarder. C'est toujours ça de prix. Et on continuera bien évidemment l'histoire. Oh, j'ai cru que j'avais écrasé. Oh là là. J'ai cru que j'avais carrément. Écraser la sauvegarde. Bon, ça aurait pas été très grave vu que je suis encore sur le jeu. Alors là, il y a plein de choses à découvrir. Ramasse-moi ça là. J'ai laissé ma femme. Le dernier adieu. D'accord. Ça, c'est. Encore, je m'en fous un petit peu des documents. Je vous avoue que je les lis pas. Sinon, ça serait assez long. Alors, ça, c'est bien pour comprendre plus le jeu que je le connais déjà. Alors là. Là, ça va être une prise de tête. Là, ça va être chaud. D'ailleurs, je vais le prendre. Voilà. Hop. Ça va être une prise de tête monumentale. J'espère que vous êtes prêts. Hein, parce que là, moi, je suis pas prêt. Du coup. Alors, logiquement, si je tire ça, ça fait quoi? Il bouge un peu? Non, que dalle. Alors, là-bas, attendez. D'accord. Non, mais c'est juste pour savoir comment je vais diriger ce genre de petit truc. Je réfléchis comment je vais faire. N'hésitez pas à proposer des idées dans le live. Je connais pas ton coin, t'inquiète pas. Oh oui, non, mais ça je m'en doute, hein, mais je pré même si... De toute façon, à quoi ça peut servir à certaines personnes. De toute façon, ils sont obligés d'avoir une carte d'identité. Donc tant qu'il n'y a pas la carte d'identité, ils prennent pas le colis. Hein. Alors, de toute façon... Attends, je ramasse ça encore, ça peut être vachement utile. C'est des tombeaux facultatifs, mais je pense pas m'y arrêter tout le temps, hein, parce que c'est vrai que sinon ça va être assez long. Ça, je peux le pousser ou pas? Attends, il y avait quelque chose dedans. Oui, je peux le pousser. D'accord, ça c'est bon à savoir aussi. C'est bien ce que je disais. Où est-ce que je peux l'amener? Je vais pas pouvoir l'amener très loin dans tous les cas. Vas-y, recule encore un peu. Non, je peux pas. Qu'est-ce que tu peux me faire faire, toi? Ah oui, attendez, j'ai peut-être trouvé une idée. Alors ça, c'est un truc pour tenir, ok. Par contre, après, va-t'en savoir comment je tiens tout ça. Ah là là, attendez. Faut vraiment que je sois logique et vraiment très logique. Parce que de toute façon, il va falloir monter ça. Donc tu vas me dire logiquement... Ouais, mais là, je la vois pas. Ça qui est gênant, c'est que je vois pas le petit saut ou quoi. Ça là. Ah, même ça, ça devrait même pas servir à grand chose en fait. Qu'est-ce qui fait le poids? Ah, ben si. C'est ce qui permet de tourner les poulies là qu'il y a pour monter ça. Donc ici, ça sert vraiment à rien. Faut que j'aille voir là-bas pour voir s'il n'y a pas quelque chose dont je peux pousser ou dont je peux avoir. Mais attendez, quoi ça pourrait servir ça? D'accord. Ouais, ça a l'air vachement utile ce truc que j'ai fait là, mais bon. Parfait. Mais vas-y, monte. Merci. On va voir. En tout cas, bonjour Itachi. J'espère que t'es bienvenue sur live. J'espère que tu vas bien. Depuis le temps que je t'ai pas vu. Du coup. On va voir. Je cherche toujours un peu l'idée. Vous êtes un peu d'accord avec moi. C'est question de réflexion et de logique, surtout. Enfin, c'est énormément de la logique. Hein. Alors là, il y a une poulie qui va de là à là. Donc, logiquement, il y a un truc à porter. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est même certain, il y a un truc à pousser ou à porter ou... Il faut encore que je sache à quoi ça sert certaines choses. Il n'y a pas moyen de le pousser encore plus.
Non, donc si déjà je l'ai poussé là, c'est qu'il doit bien servir à quelque chose à l'avant, pas à l'arrière. Voilà, je pense qu'il n'y a rien sous l'eau. Ça serait pas logique dans tous les cas. Je fouillerai si vraiment j'ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, d'accord. Il n'y a pas moyen à ce que je m'accroche quelque part avec ce truc. Je vérifie, hein, mais on sait jamais, mais bon. Non, parce que ça... Viens, si je m'accroche rien que de là avec ça. D'accord, ok, ça le pousse. Ouais, mais pour ça, il me faudrait plus que de... Allez, pousse-le un peu plus. D'accord. Et si je me mets sur la plateforme et que j'essaie de le pousser? Bon, on peut toujours essayer, hein. Allez, tire, Lara, dommage. Elle a pas la force. Sérieux, les Pyrénées, je les connais pas. Tarbes, ce coin-là, tout ça, ouais. Ouais, bah ouais, ouais. Non, mais non, mais oui, mais je te crois entièrement, hein. Mais c'est juste, on sait jamais, pour d'autres personnes qui seraient tentées à... J'ai réussi à monter, attendez, attendez. Je vais y passer 3 quarts d'heure sur ce truc. Je le sens bien. Mais attendez, remarque, il y a une logique. J'ai l'impression qu'on n'est pas obligé de faire les deux en même temps. Je saute peut-être trop rapidement. Alors, allez. Non, je peux pas y rester. Elle veut pas, j'ai appuyé une fois. J'ai pas appuyé 36 fois dessus. Non, vraiment. Donc, ouais, mais ça, tu veux que je la pousse où, à part là? Ouais, là, je vois rien non plus. Alors, logiquement, il y a que ça, ça et ça. Ça qui me paraît un peu étonnant. Ah, si, attendez, il y a une corde. Peut-être que si j'arrive déjà à aller là-haut. Vas-y, pousse-toi de là et monte. Calme. D'accord, mais je peux monter là, enfin, ou descendre particulièrement. Et comment je pourrais trouver l'accès? Ah, attendez, il y avait juste une petite truc ici qu'on va débloquer. Un collier en or. Ok, bon, c'est pas très intéressant, mais c'est pas grave. Ah, attendez, ah, déjà un truc que je peux débloquer. Ah non, je... Il doit y avoir une montée d'eau, mais comment je fais pour la monter l'eau ici? Bah oui, il doit y avoir un rivage d'eau. Donc déjà, c'est sûr qu'il faut qu'on mette de l'eau là-dedans. Faut que je casse quelque chose ou je ne sais quoi, mais il faut que je fasse un truc. C'est ça que je comprends pas. Alors là, c'est justement, je vais plonger, non? Il n'y a pas moyen de plonger? C'est pas des eaux assez basses. C'est pas des eaux assez basses du tout. Je vais aller voir un petit peu ce qui s'y trame là-bas. Non, je peux vraiment pas aller en bas. Ah si, c'est... Ouais, mais ça veut pas aller plus bas. Non, ça veut vraiment pas. Donc c'est pas ça. Je regarde tout ce qui peut. Ah tiens, ça peut essayer de m'aider ça, non? C'est quoi? Ah, c'est juste de l'écorce. Enfin des champignons. Où est-ce que... Si vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas à me les proposer. Alors viens me voir. Il y a ceci qui intervient beaucoup même dans le sujet, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le chope de là. Ouais, mais que je l'accroche où, c'est ça le souci. C'est que lui, royalement, il sert à quoi si je l'attache pas de là? Il pourrait servir après, mais pas de suite. Et encore, je sais pas, parce que... Ça, je l'ai accroché là, mais après, qu'est-ce qui me dit que... Oh non, mais ça m'est inutile, ça c'est pour le transporter un peu plus haut. Donc ça, c'est bien ce que j'ai fait. Non, là, il faut pas tomber là, justement. Allez, accroche-toi. Parfait, nickel. On va essayer. Je vais essayer en hauteur de monter un peu plus haut, mais bon, ça, on sait jamais. Non, ça sert vraiment à rien. Le truc est inutile. Non, mais là, je l'ai mis en haut. Hein. Je peux vraiment pas aller plus loin avec ce truc. Même jusqu'ici, ça serait vraiment bien. Il n'y a vraiment pas moyen en plus. Ainsi les énigmes MDR. Ouais, non, mais c'est ça qui est complexe à chaque fois. C'est que je comprends rien. Enfin, je sais pas que je comprends pas. Je cherche à comprendre. Mais c'est une galère, ces défis du tombeau là. Non, mais de toute façon, il va falloir. Attendez. Ouais, mais ça, comment vous voulez que je l'ai? J'arrive pas à monter déjà là-haut.
Enfin, même ne serait-ce que sur cette plateforme-là. Comment je pourrais faire pour... Déjà, essayer de... Ça, de toute façon, ça, c'est pas utile du tout. Ça ne ferait pas du tout monter. Il me faudrait une petite poulie en bas. Et oui, qui me permette, en fait, de... Regardez, je fais ça. Il n'y a pas moyen de monter en haut, je sais pas. Genre, il n'y a vraiment pas moyen. À part des nids d'oiseaux, il y a quoi dans ce... Ah, ouais. Comment je fais déjà pour atteindre ça? Oh là là, je spoil pas, désolé. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Ça, c'est chacun son truc, si vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez, si vous voulez. Moi, c'est pas un problème de spoiler, c'est pas... Je vous avoue, c'est pas... Enfin, c'est pas non plus extrêmement grave, quoi, fait. Dans la galère du turfu. Bon, il y aura bien un moment où je vais péter un plomb et je vais y regarder, hein, malheureusement. Ben, c'est pas que je veux pas. Mais bon, si je veux au minimum avancer sur le jeu, il faut faire quelque chose. Il y a une poulie là-haut. Ben ouais, déjà, c'est déjà un peu mieux. Mais le problème, c'est que je peux pas aller là-haut. C'est pas possible. Enfin, moi, enfin, personnellement... Non, il veut pas aller là-haut. C'est que... Enfin, elle veut pas aller là-haut, donc... Elle veut même pas s'accrocher là, rien du tout. Non, rien du tout. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de... De toute façon, il le mettrait en surbrillance. Ou même proposer des idées, tu vois. Vous n'êtes pas obligé de spoiler, mais même proposer des idées, c'est pas le problème. Je proposer des idées, si vous avez quelques petites idées, tiens, tu devrais peut-être aller là pour faire ci, pour faire ça. C'est peut-être utile aussi, hein. Faut voir. Ça, je... Il n'y a pas moyen de péter ce mur ou quelque chose comme ça pour pouvoir y foutre de l'eau. Enfin, y mettre de l'eau, pardon, mais... Attendez, voyons voir. Si j'essaie de... Non, il n'y a rien à faire. Non, mais c'est vrai, en plus, il n'y a rien à faire pour péter cet endroit de ouf. Alors, attendez. Si j'essaie de monter là, non plus... Je cherche, hein, je fais comme tout le monde, hein. Je cherche un petit peu comment on fait. Parce que là, dans tous les cas, on arrive à aller ici. Donc on prend, tac, tac. Et là, directement, après, on est foutu, quoi, dès qu'on arrive là. Donc ça, il faut bien le baisser, mais le problème, c'est que je peux pas le baisser complètement. Je peux le baisser que d'un petit pourcentage. Allez, viens. Non, mais dans tous les cas, ça sert strictement à rien, visiblement. Mais j'ai cru qu'il y avait une... Et là, d'ici. Ah non, accroche-toi là-bas. Non, ah, dommage. Pourtant, j'ai une petite ouverture, quoi. C'est ça qui est dommage. Pas assez grosse pour que je puisse aller là-haut, quoi. Non, please. Faut vraiment... C'est un casse-tête de ouf, hein. Ah, voilà déjà. Voilà quelque chose que je ne remarquais pas. Déjà. C'est fascinant. Déjà, on a. Eh, comme quoi, on y arrive. Au bout d'un certain. Au bout d'un certain temps. Oui, au bout d'un certain temps, malheureusement. C'est. Alors, du coup, il faut que je le teste d'en face. Il n'y a pas moyen de fabriquer un nombre de flèches pour l'instant, non. Alors, attendez. Je l'avais pas vu, hein, ce petit levier. Hein. C'est débile, hein. Là, 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 en face, en face, en face, en face. Mais vas-y, en face. Oh, dame. J'adore le concept. De ouf. T'as vu? Non, mais j'adore, moi, de ouf. Alors, attends, bien. Non, mais c'est juste qu'il fallait comprendre le truc. Franchement, pour pas trouver ça. Ah non, accroche-toi, là, cette fois-ci. Hein, c'est une blague. Je me suis pas démené. Ah, mais il faut faire les deux en si peu de temps, en plus. Non, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Ah ouais, c'est un truc contre la montre, quoi. Ah non, j'y crois pas. Eh oui, ça me l'a monté comme j'ai... D'accord, ok, bon, va falloir aller un tout petit peu plus vite. Hein. Alors, on va pas obligatoirement. Hein, si j'arrive à le toucher d'ici. Ah si, peut-être obligatoirement, oui. Ah si, attendez, j'ai trouvé. Haha.
J'ai compris, j'ai une idée. J'ai une très bonne idée. Vous savez quoi? On va tirer ceci là. Ce petit truc là. Qui va mettre de l'eau dedans pendant quelques secondes. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche, 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 dépêche. Active-le, ici. Yes! J'ai réussi à faire ce que je voulais. Parfait. Donc là, maintenant, je vais pouvoir monter. C'est même pas un contre-temps. C'est que je serais jamais arrivé. Donc, clairement, voilà. Parfait. Rien que pour si peu, je suis très content. Bah, c'est trop de fou. M'en faut peu, hein. Allez, go. Voilà, et là, après, on monte en haut, logiquement. Il va falloir juste s'agripper un petit peu. Et ça devrait, honnêtement, ça devrait aller. Parfait. Allez, monte en haut maintenant, c'est vrai. Vas-y, parfait. Mais, oh, on est pas très loin de la fin du tombeau. Nous souffrons de... Hop, y a rien d'autre après, non, de toute façon, ça va être que des trucs de à découvrir. Ou des objets. Ah, carte mise à jour, sûrement. Ouais, nice. Parfait. Bon, au bout d'un certain petit temps, j'ai réussi, mais bon. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qui nous mène ici? Ah, allez, allez, vas-y Lara, nickel. Bah alors voyons voir. Qu'est-ce qu'il raconte? Codex. On dirait un traité sur les liens entre le corps et l'esprit. Eh oui. Un nouveau quoi? Un nouveau accéléré, d'accord. Je vais regarder après, mais juste regarder à combien on est, 2%. Oh ouais, de la zone, on est à 9%. Guérison accéléré, bandez vos blessures plus rapidement en guérissant, maintenez LB, donc c'est pas un problème. Pour guérir en cas de blessure. D'accord. Ah, tombeau terminé, la maison. Bon, mais c'est parfait. On a enfin terminé le tombeau, du coup. Et comme de par hasard, il pleut plus. Bon, j'ai perdu un petit peu de vie. Hein. Ah, ouais, la régénération est honnêtement beaucoup plus rapide. Ouais, mais le problème, c'est que j'arrive pas à l'utiliser, ces foutues flèches. Ah, si, d'accord, il faut faire RB. D'accord, merci au fait. Moi, je crois qu'il est pas. Oui, enfin, il est déjà parti, mais au moins on a réussi. Bon, je vais retourner vers la suite de l'histoire maintenant que j'ai terminé ce foutu tombeau. Bon, ça devrait être pas très compliqué de revenir normalement. Ben, comme quoi, on n'était pas obligé de passer vers la grotte parce que la grotte nous aurait peut-être fait passer par là pour trouver ce tombeau, mais. Enfin, je pense. C'est une suggestion, après, je suis pas sûr. Mais bon, tant mieux qu'on n'ait pas eu affaire au respirateur parce que moi, personnellement, je l'ai pas. Donc, il est peut-être débloquable maintenant, mais. J'ai peut-être pas assez fouillé les zones et c'est ça qui est important sur ce jeu, c'est qu'il faut vraiment bien fouiller quoi. Si je veux un minimum le finir, bien évidemment. Moi je vais sortir de là. Franchement, au top. En vrai, vraiment faire ça en vrai, ça serait tendu, mais s'il n'y avait pas d'ennemis, ouais, ça serait vraiment à faire. Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué parce que s'il y a des ruines, ça peut nous tomber dans la figure. C'est pas très sympathique. Apparemment, j'ai pas très envie de retrouver ces foutus loups. Hein. C'est pas que je veux pas. Il y avait un homme en haut, ouais. Je sais pas si je devais aller lui parler ou pas. Bon, pire, on va aller vers la suite. La suite, elle est ouf là-bas. Comme ça, on va se diriger vers la suite. Ce sera à peu près tranquille. Alors, la suite, elle est là-bas. Alors, j'ai peut-être pas fouillé totalement la zone. Donc, j'ai pas trop envie de perdre de temps non plus, en fait. C'est pour ça. Allez, go, 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 on y va. Ah, j'ai peut-être manqué quelque chose. Oh, les trinitaires vont pas tarder. Mais de toute façon, je peux pas le débloquer, alors. Oh oui, il y a du monde. Ah, peut-être qu'on va faire le tour, quand même. Peut-être, éventuellement, on va peut-être faire le tour de la zone, ouais. Je vais me réserver ça pour le prochain épisode, je pense, d'après moi. Ça sera largement mieux. Ah, des balles, ouais, il serait vraiment temps de m'en donner, parce que là... En fait, je vais en profiter pour fouiller un peu la zone pendant ces 2-3 prochaines minutes. Il y a encore une grotte, c'est une blague. Ah, cette fois-ci, il n'y a pas l'air d'y avoir d'ours, hein, visiblement à proximité. Ouais, j'espère pas, parce que c'est assez gênant à chaque fois. Oh, putain, comme de par hasard, il y en a toujours un. C'est fou, ça. Les arbres. Il faut que je trouve quelque chose de quoi me percher un peu plus haut. Là, logiquement, je suis en sécurité. Oh là là, j'ai plus... Enfin, logiquement, hein, je dis ça, voilà, comme ça. Non, mais c'est bon, je vais plus t'embêter. Ah, des flèches, ça, c'est toujours ça de pris.
Enfin, remarque, je pourrais l'embêter, vous allez me dire, parce que j'allais le buter, parce que c'est toujours ça pris d'avoir de la chair de d'ours. Maintenant que je sais comment on fait, il y a juste à faire ça et à tirer deux fois sur... Par contre, en fabriquer, ça serait pas mal aussi. C'est bon, ça m'en fait une deuxième. Normalement, en deux coups... Attends, on y va tranquillement, il faut pas qu'il m'entende ni qu'il me sente. Allez, go, premier coup de fée. Il va être plus que battant, mais bon, au moins... Je réussirai à le battre. Il va pas tarder à arriver. Il est où, il est où? C'est bon, il devrait être mort logiquement. Refabrique-moi-en, vite, dépêche-toi. Parfait. Parfait, un deuxième coup. Allez, comment ça devrait aller là? Tu vas mourir au bout d'un moment. Il fait peur, hein, j'avoue que... Allez, crève encore un peu là. Yes, c'est bon, il est dead. Ouh. Il a fallu quelques flèches empoisonneuses, hein. Ça c'est sûr. Allez, force. Allez, voilà, parfait. Nickel. Bah visiblement on aura récolté ce qu'il faut. Et je vais aller peut-être en bas parce qu'il y a peut-être des trucs à découvrir, ouais. Dans cette grotte aussi. On sait jamais, mais ça sera pas un défi du tombeau ou je ne sais quoi. Moi si je peux récupérer un petit peu, voilà, des champignons, de quoi me régène, c'est toujours utile. Mais il m'a même pas attaqué une fois, ça je suis plutôt content parce que ça court plutôt vite, hein, si on les affaiblit pas, les animaux. Hein, attendez. Allez, hop, parfait. Voilà qui est plutôt pas mal. On a réussi à avoir pas mal de ressources. C'est plutôt sympa. Allez, allez, on se grouille. Moi, je crois qu'il y aura rien d'autre à débloquer ici. Hein. Peut-être deux, trois petites choses. Un certain document ou des choses comme ça. Ça devrait aller, honnêtement. Ah, une boîte de munitions. Moi, je dis pas non. Allez, go. Merci. 20 munitions, ça c'est top. Parce que je les ai quasiment toutes utilisées, donc... Si je peux me refaire un peu, pourquoi pas. C'est quoi ça, objet? C'est une grenade à fumigène ou ça s'appelle comment ça? Ah oui, d'ailleurs, j'allais peut-être sur un autre jeu... Oh, ça je veux bien le faire, ça. Oh, petite... Ah, dommage qu'il s'échappe. Dommage. Bon, en tout cas, moi, pour ce bel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, on va se laisser ici. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et puis, on se retrouve à la fois prochaine. Allez, ciao, bye!